Donc en fait là j'ai l'impression que toute la salle nous entendait l'espace d'un instant. Donc je pense que t'es ravi. Ouais. Voilà, donc toute la salle t'entend, Tom. Hey Mike, c'est normal, toute la salle elle entend ce qu'on dit. Là ça part surtout là. Bah ouais. Ouais. Donc en fait là, Nicolas face à Morat Serra. Pour vous donner le contexte, je vais continuer à parler de mon côté. Que le spectacle commence. Puisque Tom visiblement est diffusé dans toute la salle. Je pense que le public serait ravi. Le kick logique. Bonjour. 老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信5743200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟。 补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信5749932000。 Elle a fini de moi. Elle n'en rigole pas. Test. Test 1-2-1-2. Test 1-2-1-2. On reprend après avoir été coupé légèrement, on espère que vous nous avez entendu juste avant. Ici, Yas et Tom. Donc là, Tom, la physio du combat, c'est ce qu'on se disait avant la légère coupure. Logiquement, un Christophe Nicolaou qui nous vient de la taille, qui travaille évidemment avec son bras avant et ses low kicks. Et visiblement, Mourad qui a envie d'aller sur son terrain, puisqu'il a l'air de vouloir rester debout également. Ouais, les deux sont dans leur, point fort. On va voir le premier combat pour Christos Nicolaou qui lui va aussi rester debout parce que c'est un pur boxeur. Alors, fois champion du monde. Un truc notable chez Nicolaou, c'est qu'il n'a de cesse de changer de garde. C'est un peu pour essayer de perturber. Parce que Mourad là il est assez fou quand même en fin de compte, il prend pas tellement de coups, il bouge. Donc c'est plutôt ce qu'il faut faire face à un adversaire dur et taille. Et par rapport à ça, il essaie de le cabrer. Il se cosse. L'équipe de Nicolas qui a fait toucher la tombe. Il a touché. Là c'est l'idée, c'est le 4. C'est le 4. Et là il y a rien. Après on rappelle que un ring de MMA, le Togo ne voit pas comment on l'appelle. C'est pas un ring justement où cadrer l'adversaire, évidemment c'est pas du tout les mêmes mécanismes que ce. Non du tout, notamment pour cadrer, c'est différent. Tu peux quand même plus bouger et t'échapper dans un octogone. Hein, donc c'est pas le même cadrage. Pour l'instant, le test pour Nicolaou est plutôt convaincant, mais en fait là où ça va jouer, c'est le moment où le combat va aller au sol. Il est connecté. Ça va être la capacité de Mourad. Non, même pas. J'ai l'impression que Mourad veut mettre le dos contre la cage, mais Nicolaou. L'arbitre arrête. Fin du combat. Donc Mourad est dessous, mais je pense que l'arbitre a pris quand même la bonne décision. Premier combat pour Nicolaou en MMA et première victoire. Après on salue le courage de Mourad, comme on le disait tout à l'heure, il a quand même décidé de se lancer un défi. Vous pouvez applaudir évidemment les deux combattants. Bravo. Ils ont eu l'honneur de débuter ce European Beatdown numéro 2.
souvent les combattants, lorsque l'arbitre arrête sur du grand épreuve notamment, les combattants ne sont pas hyper heureux. Là on voit que Mourad évidemment aurait aimé que ça continue, mais après on sait que l'arbitre fait ça parce qu'il pense que l'intégrité physique de l'athlète. Combattant au centre du ring de l'octogone pour la décision est déclarée vainqueur par arrêt de l'arbitre à la première reprise, Christos Kokkolikolaou. Venu de Chypre pour vous ce soir.